L'Union Sylvie Patricia Yao, lors de sa première activité, a procédé à une remise de dons à l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfant ce lundi à Yopougon. Ces dons constitués de vivre et non-vivre s'inscrivent dans le cadre de la promotion des activités de l'honorable Patricia Yao en faveur des personnes vulnérables. Le reportage est signé Michel Brou et Richard Akeke. 1 500 000 francs, c'est la valeur globale des dons qui ont été symboliquement remis à l'ONG Cœur de Maman Amour d'enfant. Des sacs de riz, de sucre, des cartons d'huile, des pâtes alimentaires et des couches ont constitué l'essentiel des différents dons. Ici, les enfants victimes d'IMC, infirmité motrice cérébrale, âgés de 5 mois à 22 ans, ayant perdu l'usage de la parole, des membres n'arrivant pas à tenir la tête sont pris en charge dans ce centre. La délégation de la directrice du cabinet de la première dame, marraine de l'Union Sylvie Patricia Yao, ont marqué d'une pierre leur soutien à cette ONG. Ces enfants n'ont pas la même capacité de nourriture comme les autres enfants. Ils sont un peu délicats. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes venus avec la première doléance qui a été faite. Les dons en vivres pour que ces mamans puissent être égayées un peu. On est venu leur dire qu'on est avec eux. Voilà, on est avec les tout-petits. Et je l'ai dit, je le répète, Madame Yao Patricia Sylvie, soucieuse du bien-être des enfants en général, et en particulier des enfants en situation d'handicap, IMC, a bien voulu partager ce moment-là. Des présents qui vont soulager les récipiendaires qui ont formulé des doléances en soins médicaux. Nous voulons dire merci à notre maman Sylvie Yao et à notre maman Dominique Ouattara pour leur amour, pour leur attention, pour leur bien-être et que Dieu les bénisse. Un enfant IMC a besoin d'amour, d'attention, de respect et de considération. Un enfant IMC a des droits comme tout enfant de la société. Créée en mars 2022, l'Union Sylvie Patricia Yao compte à ce jour 75 membres et est à sa première action. Un mouvement qui contribue à faire la promotion des activités de l'honorable Sylvie Patricia Yao.